Le soir Tarchaud. Le soir Tarchaud. Le soir Tarchaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes du 19h-21h sur TSO Radio. Vous êtes de retour sur TSO Radio, la suite de l'émission 19h-21h sur TSO Radio. Vous pouvez nous écouter sur tsoradio.fr, l'application téléchargeable pour Android et iOS. TSO Radio tout attaché, vous allez le trouver tout de suite. Pourquoi tu ris? T'as quoi dans la bouche? De l'eau. Ah, c'est tout? Ok, d'accord. J'allais pas te parler, hein, tu pouvais boire tranquillement, y'a pas de soucis. Parce que ça tombe toujours sur lui au moment où il fait quelque chose. Ouais, parce que chose. Tu me regardais donc. Parce que tu es mon moteur, tu es mon booster. Tu me boostes, mais juste du regard. Hein. On est toujours avec Brian. Alors, Brian, je suis désolé d'avance, mais tu vas assister à une séquence qu'on a l'habitude mémorable. De faire, donc on les rate toutes. Non, je dis pas. C'est le ni oui ni non ni le même. Alors, je voulais faire jouer Stéphane, mais comme il dort, on va le laisser tranquille. Non, mais je vois pas tes yeux, c'est pour ça. Ah non, non, je ne dors pas. Je regarde la télé. T'es là ou t'es pas là? Tu regardes la télé? T'es. Oh, j'allais dire, merde, bon, le mec, il met la télé pendant l'émission. C'est bien, c'est bien. Écoutez, les gars, c'est bien, petite télé. Petite télé, voilà. Petite télé, le film, Les Feux de l'amour aujourd'hui. Oh, Victor! Oh, Mickey! Il y a Josette qui est avec Bernard, là. Bernard? Alors, moi je pense que Laura, tu vas être la cible, mais c'est nous tous hein, qui allons te poser des questions, parce qu'on a bien vu la dernière fois que tout le monde pouvait s'y mettre. Donc le but étant de faire craquer Laura. Dans quel sens? Okay. Aux toilettes. Faire craquer Laura. Donc les nouvelles règles, c'est ni oui, ni non, mais si tu as dit par exemple parfait, eh ben, faut pas le redire. Maintenant, faut qu'on s'en souvienne, parce que si on l'a oublié, on y fera peut-être pas gaffe. Bah, écoute, on va faire quelque chose. Tu vas le marquer. Je vais le marquer sur. Ah ouais. Le mec est un enculé. Ah ouais. Le mec est un connard jusqu'au bout. Monsieur connard. Monsieur connard. Il y a monsieur Edouard et monsieur connard. Sire connard. Tu me dis quand t'es prêt, du coup? Ouais, je suis prêt. Et qui c'est qui est. Bon, on va commencer comme ça, on va voir. T'es prêt? T'es prête, pardon? Laura? Bien sûr. Laura. Oh! Oh là là! Directement. Il compte pas le bien sûr. De quoi? Ah, t'as dit oui, moi? J'ai même pas fait gaffe. Bah non. T'as dit oui? Je dis bien sûr. Ça va, Laura? Tout à fait. Est-ce que tu es prête pour ce jeu? Bien sûr. N'hésitez pas, les autres. Bien sûr, elle a déjà dit. Ah oui, mais non, on l'a pas compté. D'accord. Ok. Est-ce que. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Oui. Oh non, j'ai perdu. Non mais c'est pour la suite. Alors déjà, j'apprécie pas que tu te moques de moi comme ça. Parce que là, tu t'es moqué de moi beaucoup. Genre oui. Mais non, parce que dès que je lance une conversation, après elle va dire j'aime, mettons j'aime la tome, et je relance, j'aime la tome. Et puis voilà, là j'aurais peut-être un oui ou un non. Tu fais quoi dans la vie? Bon bah oui, voilà. Oui. Oh. Encore perdu. Oh mince. C'est quoi ton métier dans la vie? Non. Oh. Est-ce que tes parents sont dans la salle? Non. Oui, mon papa est là-bas en train de nous filmer. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? La pâtisserie. La pâtisserie. La pâtisserie. La pâtisserie. La pâtisserie. La pâtisserie. T'as bien entendu, la pâtisserie. Oh, bien. Allez. Bon, on va dire que ça passe. Les autres, une petite idée? La pâtisserie. Et donc, tu aimes quoi dans la vie? La pâtisserie. Est-ce que tu aimes le sexe? Comme tout le monde. Attends, il faut que je marque tout ça, comme tout le monde. Faire des phrases immenses. Attends, mais t'as remis ça carrément. Stéphane, une petite question. Ce jeu prend pas du tout la tournure, mais c'est pas grave, t'allais bien. Aimes-tu le shopping? Le shopping. Évidemment. Tu aimes le shopping? C'est le cas. Non, après, en fait, t'as des blancs parce que t'es en train de chercher un autre mot, en fait. Je comprends. Et le shopping, quel genre? Le shopping vêtements, le shopping alcool, sexuel alcool, rayon alcool à Carrefour, où je croise beaucoup Hélène. Ah. Ouais, mais elle habite pas loin. Le rendez-vous du dimanche matin, tu vas à Carrefour avec Hélène. La tête dans le cul. Et quand tu vois Hélène, elle a des bouteilles dans son petit caddie ou plutôt des pâtes, du pain? Du Pepsi Max, des grosses bouteilles. Des grosses bouteilles. Des magnums. Rome, de Magnum de Vodka. La vie privée.
Comment vous dites, monsieur? J'ai oui à votre son de voix. On est plus dans le ni ni non là. C'est ma vie privée à moi donc. Mais si, justement, c'est une discussion. Par contre, t'as pas écrit vodka, moi. Vodka, Magna. J'ai plus le droit de dire vodka alors. T'es plutôt doué en pâtisserie? Il paraît. Tu fais des gros gâteaux? De toute taille. De toute taille. Fais des réponses courtes. Je vais pas te l'écrire. Attention, la règle du jeu, c'est ni oui ni non, ni le même. De toute taille, déjà. Bon, on l'a pas dit encore. Plutôt gâteau fruits rouges ou gâteau chocolat? Fruits rouges. Serais-tu sourd, Axel? Bah, en ce moment, tu sais que c'est la branlette qui prime sur le reste. Hein, Le dossier médical d'Axel de Dos. Je rappelle que je suis atteint d'une pathologie qui m'empêche de faire l'amour. Si vous ne l'avez pas entendu depuis le début de la semaine. Depuis 6 ans maintenant, enfin. Donc ma fille, il n'y en a que 4. Pose-toi une question. On va t'appeler Monsieur Cocu. On va t'appeler directement. Je vais revendre la maison. Ça va, Laura? Ça va toujours. Tu aimes les grosses miches? Grosses miches. Il allait venir, hein, Louis, hein? T'as dit quoi? Alors, est-ce, que tu, aimes les grosses miches, c'est ça? Oui, est-ce que j'ai... Oui, mais attends, c'est pas ça qu'il faut marquer, c'est la réponse. Ah, bah c'est... On parle du pain, hein? Oui! C'est ce que j'allais demander. Alors, eh ben, du pain. Je cherche bien ton mot. Hein. Préfère les baguettes. Alors, je préfère les baguettes. Tain, j'ai l'impression de faire une dictée ou faire ma liste de courses. Il est beaucoup plus drôle comme ça, ce jeu. C'est quand même pâtisserie, baguette. Les grosses baguettes, les demi-baguettes, les bâtards, les... Tu les aimes comment, tes baguettes? Longues et épaisses. Ah, longues et épaisses. Donc les longues et fines, c'est mort. C'est mort. C'est bon. Et quand elle est coupée? Tranché. Et parce que je suis circoncis. En général, ça c'est dans la voiture, tu coupes le bout et tu le manges. Oh là, il y a trop de mots là. En général, c'est dans la voiture. En général, c'est dans la voiture. Mais je vais pas le dire deux fois ça. Ah, mais on sait pas bien. C'est le bouton que tu préfères. Sache, Brian, que t'en sortiras grandi de cette expérience, enrichie culturellement, enfin cul, centurellement. Donc du coup, on n'arrive pas à te faire perdre. Hein. La prochaine fois que tu dis oui, non ou le même, c'est niette, hein, c'est fini, on fera... C'est trop fini. Est-ce que tu achètes tes baguettes en boulangerie? C'est tu peux aussi les acheter chez Carrefour le dimanche matin. Il faut dire soit mis soit non. À la boulangerie. Ouais, bonne réponse, hein. Mais le pire, c'est qu'il l'écrit. Je sais pas comment elle va repartir à la boulangerie après. C'est jamais, hein. Et alors, est-ce que tu prends tes baguettes dans une boulangerie chaude? Tu les aimes bien chaudes? Boulangerie de Guise spécifique. Est-ce que tu les aimes bien chaudes? Tout à fait. Ah, elle l'a dit en premier. Le mec, il a refait tout le truc. Ah, c'est bon, on l'a dit en premier, c'est bon, on l'a perdu. En fait, il s'est fait chier écrire des grandes phrases, tout ça pour un tout à fait. Tout ça pour perdre à ça, quoi. Par contre, si c'était une dictée, il n'aurait pas beaucoup. Il fait ça à l'arrache. Les premières actions, etc. Déjà, il a été très gentil de les marquer, monsieur. Je vais compter quand même les mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 13 13 13 Après, est-ce que vous voulez que... Si tu relis tout d'un coup, ça peut être marrant. Non, bah alors, je peux le dire. Ouais. Alors, Laura, 2 points. Je vais pas te taper. Laura, 2 points. Laura, 2 points. Tout à fait, bien sûr, pâtisserie, comme tout le monde. Évidemment, vodka magnum. Il paraît de toute taille. Fruits rouges, ça va toujours. Je préfère les baguettes longues et épaisses. C'est mort. En général, c'est dans la voiture et tu le manges. C'est ça la boulangerie. Hey, je pense que ce jeu, il est très important. Il faut marquer les mots quand on dit. Marquer tous les mots. Je suis tout à fait d'accord là, avec ça. C'était le ni oui ni non ni le même. Est-ce que tu veux faire un deuxième ni oui ni non? Non, parce que dans le conducteur, il est marqué que nous devons intégrer, introduire. Non, mais il faut continuer introduire. Avec Brian. À chaque fois, j'ai ça dans la tête. Brian in the kitchen. Oh, j'ai des références aussi. Oh, Brian is in TSO Radio. Yeah, your English is good. Yes. Allez, les franglais, c'était fait pour toi. TSO Radio. Mon petit Maurice, au niveau de l'assaut guéguette, avec une belle cause en plus. Hein. Tout à fait. Bah, tu vois, je t'ai laissé le temps de chercher ta feuille. Il est quand dans le livre? Il a répondu avec une réponse, en fait. Il est quand dans le dossier, ni oui ni non. Il va prendre toutes mes réponses et il va répondre avec ça. Tu as 3 minutes.
Alors, Brian, attends, je montre ma feuille. Bon, c'est le téléphone, bon, bref. Alors, ah, tu l'avais pas reprise ta feuille. Si, si, je l'ai. Ah, pardon. À la boulangerie. Laura de pain. Longue. À la boulangerie, est-ce que tu préfères le... la baguette, l'ancienne? Ah, ok. Non. Combien de bénévoles composent l'association? Environ une dizaine, mais c'est surtout familial, en fait. Donc c'est un peu la famille qui est rentrée dans l'association, ouais, et voilà. Qui aide. Est-ce qu'il y a eu des pertes financières par rapport au coronavirus ou pas? Des pertes, oui, bah beaucoup. Parce que la première année, on avait fait environ 2400 euros qu'on avait récolté. Et puis depuis le Covid, bah j'ai rien pu récolter du tout, en fait. Donc là, tu as perdu à peu près peut-être 2400 euros par rapport à l'année dernière ou... Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et comment, en fait, tu récoltes l'argent? Bah, en faisant des manifestations comme repas d'association, marché de Noël, loto. Et puis, normalement, si je peux l'année prochaine, je ferai un cinéma en plein air. Ici à Guise? Ouais. Oh, ça va être bien, ça. Ça serait faudra ça nous en parler. La place sûre, non? Non, je pense que je le ferai au terrain René. D'accord, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça peut être intéressant, c'est bien ça. Effectivement. Bonne idée. Mais ça du serait coup... juillet, août ou... Bah, pendant les grosses chaleurs, oui. Parce qu'il faudra le faire le soir, du coup, pour qu'il fasse bon. Je pense plutôt juillet. D'accord, moi, bon, de toute façon, on sera là. Et du coup, de quelle manière tu vas pouvoir récolter de l'argent avec le cinéma en plein air? C'est de la vente autour de tout ça ou... Ouais, bah, je vendrai les places déjà. Ouais. Puis bah, je ferai des snacks, vente de cacahuètes grillées, etc. Et tout ça, avec les 10 bénévoles, vous arrivez à faire tourner ou il y a d'autres bénévoles qui viennent se greffer quand il y a des événements? Et puis bon, je peux demander de l'aide ou voilà quoi. Bon, ah, c'est bien, la famille qui serait là pour aider ce jour-là. La cause aide à convaincre les gens d'aider. Oui, bah oui, beaucoup quand même. Non, parce que oui. Oui. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres associations? Non. 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 C'est juste tout seul et puis vous débrouillez tout seul pour aider les gens. C'est ça. D'accord. Et vous allez dans les hôpitaux ou pas? Pas encore, parce que j'avais avec ma soeur, on avait essayé de joindre l'hôpital de Saint-Quentin plus d'une fois. Puis bon, à chaque fois, ils nous disaient qu'ils allaient nous rappeler, mais bon, ils nous ont jamais rappelé. Donc je pense que je me déplacerai directement pour aller les voir. Parce que l'année prochaine, je pense que du coup, là, j'interviendrai directement dans les hôpitaux en offrant des séances de coiffage, de maquillage, etc. En fait. Et vous avez des partenariats aussi avec des commerces Blizzard ou autre? Pas vraiment, mis à part Mega Coiffe. Mais qui t'a cuisiné, c'est ça? Ouais. D'accord. Vous n'avez pas pour l'instant de partenariat avec des instituts de beauté ou... Non, pas encore. D'accord, ok. Donc bah, d'ailleurs, on lance peut-être un appel au commerce de l'église. C'est quelque chose qui plairait et qui serait utile à l'association de... Ah bah oui, surtout tout ce qui est pour les produits esthétiques, etc. quoi. D'accord, bah écoutez, si les commerçants d'église nous écoutent, ou bien d'autres commerces de la région, bah, qui n'hésitent pas à te contacter. À rejoindre le projet de l'asso Guéguette. Un partenariat. C'est un projet à rejoindre. Voilà, je sais pas comment TSO Radio pourrait aider cette association. Bah, parler déjà des événements. Oui, c'est pour ça que je disais, par exemple, pour le cinéma en plein air ou autre, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Je pense qu'il y aura une affiche qui va être créée. Ouais. Muriel, hein, le matin, parle beaucoup de ce qui se passe, donc il faut en profiter. C'est ça, puis après, non, après, pourquoi pas encore te recevoir une prochaine fois, dès que tu fais quelque chose, n'hésite pas à nous contacter, nous on partagera ça sur la page, et je pense que Mimi aussi, on parlera aussi dans la matinale, donc pas de soucis si on peut aider. Faudra pas hésiter. On va se retrouver pour la suite de l'émission, pour la suite du Starter Show, du coup, parce que la suite de l'émission, c'est forcément la suite du Starter Show. Ah, ouais, je suis adepte des évidences. Je suis adepte de ça. Brian, tu restes avec nous hein, jusqu'à la fin de l'émission. De toute façon, tu n'as pas le choix. C'est pas le show. Non, finalement, il me le casse. Il se lève, il dit, vous faites chier. De toute façon, on ne peut pas en placer une. Bon, on rose qu'une, ni mini ouais. Non, qui dure 3 heures, c'est long. À tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.